Salut les amis! Salut à tous! Alors on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Shadow Dancers Secret of Shinobi qui est sorti en 1990 sur Mega Drive. Ouais! Mega Drive! Ouais, on se retrouve sur Mega Drive! Donc, ouais, un jeu sorti en 90 qui est juste trop de la balle! Ouais, ah je l'adore! Il est trop bien! Il est un peu dur, pas trop, mais. En tout cas, il est juste excellent. Alors, on va voir ce que je vais faire, hein, si je vais faire que de la grosse merde ou si je vais au moins réussir à finir à premier, deuxième stage. On va voir. Donc ouais, on a la boîte là, elle est un petit peu dépouillée la jaquette qu'on a. Mais bon, ça va, ça reste assez correct. On n'a pas la notice par contre, c'est un peu dommage. Donc ouais, le jeu il est sorti en 90 et il a été développé et édité par Sega. Plus précisément, en fait, il est sorti en 89 à la base. Sur. Ouais, mince. Et bah, sauter. Ouais, mais non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Parce que moi, d'habitude, je reste dessus et j'avance et je tombe. Ouais. Et comme ça, dès que je tombe, je tire et il n'y a plus de bonhomme. Tu t'embrouilles trop là, t'aurais pu remonter hein, si tu voulais. C'est vrai, tu réfléchis trop en fait. Voilà, je réfléchis trop. Donc ouais, le jeu à la base il est sorti en 89 sur arcade. C'était donc sur système 18 je crois. Je crois que c'est ça. C'était sur système 18. Et il a été développé donc par la team Shinobi. Ils sont bien plus connus sous ce nom là. Qui d'ailleurs on avait déjà dans une émission précédente, on avait déjà parlé un peu de la team Shinobi parce qu'ils ont fait vraiment pas mal de jeux à l'époque ouais on les appelait la team Shinobi, leur nom officiel c'était quand même Sega AM7 et ils avaient fait pas mal de jeux quoi, ils avaient fait des jeux les Shinobi, les Phantasy Star, ils avaient fait quoi d'autre, ils ont fait des t'es dégoûté. Ah mais je suis pas morte. Ah bah non, je me suis fait shooter au-dessus, exact. Oui. Ils ont fait quoi? Ils ont fait les Street of Rage aussi. Très très bon jeu. Et les Golden Axe. Donc puis il y en a eu d'autres, hein, je ne sais pas. Et les Clockwork Knight aussi. Clockwork Knight, ouais. Ouais. Bah c'était peut-être dans Clockwork Knight qu'on en avait parlé d'ailleurs. Peut-être, je sais pas plus. C'est pas impossible. Je sais plus du tout. Ouais, j'ai fini le premier stage. Trop contente. Donc le jeu il est pas si compliqué dans l'ensemble, il y a 5 niveaux je crois, avec des sous-niveaux. Et fallait rester baissé. La pierre. Il serait resté baissé, il aurait été protégé, il serait parti en arrière en fait. Mais en plus la pierre elle apparaît pas tout le temps là. Non, ça dépend. Mais là si t'avances... Ah mince, j'aurais dû y aller. Ouais, bah c'est pas bien. Ah pas. Non, pas maintenant. Ah non, là tu déconnes à mort toi, c'est un truc de ouf. Oh non, c'est mort, je vais arriver plus loin quand même. J'ai déjà utilisé trop de vie. Donc le jeu, ouais, sur arcade, il est quand même bien différent. Il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus beau. Baisse-toi, je le sais. Ah là. Saloperie. Pourtant, tout à l'heure, ça va, c'était pas trop mal ce que tu faisais sur ce stream. Bah ouais, non, mais en plus, je le connais, donc c'est relou. Ah, ça m'énerve. C'est pas bien grave. Voilà! Bah voilà quand je veux! Tu montes, t'enchaînes! Non, faut. Voilà. Et encore au-dessus, un prisonnier. Donc le jeu, ouais, sur arcade, il est quand même vachement différent, il est beaucoup plus beau. Et je vous conseille d'y jouer, du coup, de le tester en émulateur, mais celui-là est vraiment très très bien aussi. Il est vraiment excellent. Et après du coup en fait après le succès que ça a eu sur arcade, donc Sega, vu que c'est Sega qui est le propriétaire de la licence, ils ont décidé de les porter donc sur Mega Drive en 90. Et après en 91 ils ont décidé de le porter aussi sur Master System. Et aussi donc sur Spectrum, Commodore 64, Atari ST, Amstrad CPC et Amiga. Tout ça en 91. Et il n'y a que sur les supports Sega, donc Master System et Mega Drive, que c'est Sega, l'équipe AM7 qui a développé le jeu. Sinon, sur... Oh merde, voilà.
Oh merde. Sur enfin qui a édité le jeu, sinon sur les autres supports Atari et tout ça, c'est US Gold qui l'a édité. Ils ont fait notamment un jeu Olympic Gold sur Mega Drive. Il me semble que c'est cet éditeur qui le fait aussi. Donc là tu vas arriver au boss. Donc faut lui tirer dans les yeux en fait à lui. Et dès que tu le tires, il fait tomber des pierres et là t'es morte. Ah mais vas-y. Ah là là. Putain. Dur. Et t'as un pouvoir aussi. Tu peux montrer le pouvoir là tout de suite. Ah bah je vais montrer mon pouvoir là tout de suite maintenant. La tornade de feu, non c'est A. Eh bah j'ai fait A. Ah non, t'as fait B. B. Mais c'est bien ce qui me semblait, de toute façon que tu tires c'est B, forcément. Ah, c'est peut-être à moi là, t'es game over, non? Non. T'es pas game over? Non. Espèce de mytho aussi, t'es game over. Allez, vas-y, bah non, fais péter. Attends, tu viens de niquer 5 vies jusqu'au premier boss, quoi. Alors, ça empêche pas que j'ai pas eu longtemps. That's ridiculous. T'aurais pu me laisser une deuxième chance. Parce que là, du coup, tu as la manette, toi. Ah, tiens. Ah, mais en plus... Ah, mais je reprends ici. Bah oui, tu reprends là, ça se voit. Baisse-toi. Ah, je me souviens pas des patterns du... Du méchant. Mais c'est que le premier boss, les amis. Dur. Bah après, ça continue, par contre, si tu perds, tu perds. Oui, si je perds, ah, je ouais. perds. Ah non, mais putain. Pourquoi tu... Elles sautent sur les trucs qu'il faut pas. Bah si, excuse-moi, oui, mais si. Mais là, je m'attendais à voir la flamme, du coup, merde. À chaque fois qu'il tombe, il fait tomber des rochers. C'est vrai. Et oui, c'est que quand il se baisse qu'il balance la flamme. Certainement. Non, c'est sûr, même. Je te le dis. C'est sur les rochers. Mais oh, faut le shooter aussi en même temps. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Mais non, mais moi je veux faire au moins le stage bonus qui est après. Pour ça, faut réussir déjà à jouer avant de faire les stages bonus. Voilà, déjà tu l'as touché sans utiliser ton arme. Oh, secondaire. Trop long. Et faut que je me baisse en c'est fait. Pas... Si je me baisse. Non, pas là-dessus. Putain. Mais... Sur le boss, non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne avec les autres. Rocher dans les stages, mais sur les boss ça ne fonctionne pas. Tu manques d'entraînement, je. Ah, mais oui, clairement. Tiens, dans ta face. Ouais, faut faire pas ta maline. Parce que c'est lui qui te la met dans ta face depuis tout à l'heure. Ah, mais clairement. Baisse-toi. Youhou, je me suis baissé. Et t'as oublié de toucher quoi, juste au passage. Ouais, je tire plein de fois. Oui, et tu vas mourir. Bon bah je crois que c'est à toi là où il me reste une vie. Non. C'est juste trop marrant. Moi je vais utiliser les continues comme ça on repasse pas au début. Hein. Donc le jeu est quand même assez simple à finir parce qu'il y a... Enfin quand on connaît le jeu, ouais, hein, bah c'est oui, Diane Richard. Parle pour toi. Donc, je vais essayer de le tuer sans utiliser mon arme. J'avoue ça fait super longtemps que j'y avais pas joué. Hein. Parce que si j'utilise pas ma tempête, je gagne 10 000 points de score. Mais en même temps, là, au niveau du score, c'est un peu foutu, j'ai envie de dire. Oui, bah désolé. Non, mais c'est pas, on n'est pas là pour faire du score, on est là pour présenter du jeu. S'il y a du score à faire... Merde, j'ai oublié de le toucher, moi. S'il y a du score à faire, les amis, ce sera dans la nouvelle émission. À quoi qu'on joue, d'ailleurs, la première, c'est jeudi. À la place de SMS. Ce sera pas tout le temps, parce que vous verrez que c'est une émission qui est assez longue à préparer, en fait. Donc il y aura peut-être 2-3 émissions qui s'enchaîneront le jeudi. Enfin qui s'enchaîneront sur plusieurs jeudis d'affilée. Donc pourquoi tu fais pas... Après il y aura une petite pause, des trucs comme pourquoi ça. Pourquoi tu fais pas un jeudi sur deux, comme ça te permettra à chaque fois d'avoir 2 semaines pour préparer ton émission. Ou un jeudi sur deux, on verra. Bah quoi, moi je sais pas, je m'en fiche. Hein. Donc voici le stage bonus que tu voulais faire. Oui, je voulais faire. Faut shooter 50 assassins. C'est ça, c'est pas des assassins. Des ninjas. Ouais, c'est des ninjas, ouais. Il y en a 50 en tout, il faut toujours... Enfin, si on shoot les 50, on obtient 3 vies. J'ai essayé de rattraper un peu ce que t'as fait tout à l'heure. je vais te chambrer, tiens. Je vais te chambrer. Tiens. La petite technique toute simple, hein. On reste bloqué à gauche. Et on tire. Bourrine. Voilà pourquoi je voulais le faire. Et voilà, là j'ai fini. Donc je me place au milieu, histoire qu'il n'y ait pas d'animation qui se replace, sinon il se replace automatiquement. Juste pour pas qu'il fasse tout seul. J'aime bien faire les choses moi-même.
C'est comme dans Minecraft, c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, donc le deuxième stage. Après 10 minutes. Normalement, 10 minutes t'es au quatrième stage à peu près. Oui, bon, hein, s'il te plaît. Donc là, je vais. Ouais, non, si, ça va. Ça devrait le faire, je vais pas trop galérer. Hop, les personnages bleus, faut deux coups pour les toucher. Hop. Moi j'aime pas les verts là qui balancent leur bouclier. Enfin, je sais pas si c'est un bouclier mais. Les gros là. Ouais, les gros là verts. Tu sais, c'est un bouclier qui balance. Ils sont pas bien méchants. Ouais, c'est, on dirait que c'est leur protection ouais, qui balance. Donc le but de ce jeu, c'est de faire bah, les stages, de tuer le plus d'ennemis pour le score. Et surtout, voilà, de délivrer ça là, ce qu'on voit c'est un prisonnier qui est en train de gigoter par terre, genre aidez-moi. J'en ai rien le cul, je veux plus rester ici. Ce sont des prisonniers, faut tous les libérer pour pouvoir finir le stage. Si on libère pas tous les prisonniers, c'est foiré. Alors là, la petite technique, c'est d'abord d'attaquer celui de droite, parce qu'il tire en bas, et après celui de gauche. On libère le dernier prisonnier, on monte. C'est ça, quand tu le sais pas, tu te fais avoir, hein, c'est clair. Ah bah oui, direct. Donc là, on peut aussi utiliser son chien, parce que le chien, on a pas dit à quoi il servait depuis tout à l'heure. Ah oui, là, oui. Je maintiens le bouton B. Forcément. Je peux charger. Et vous allez voir que mon chien est imperméable aux balles, hop, il peut passer et du coup, pouf. Moi aussi j'ai un chien comme ça. Toi aussi tu veux un chien comme ça. Ouais, quand il se fait toucher par contre le chien, je vais essayer de vous montrer ça. Il devient un espèce de petit chat. Un petit chat de merde qui est ridicule. C'est juste trop marrant. Hop, là je l'ai fait se faire toucher, vous allez voir. Ouh, salut Minou. Non, ouais, c'est pas un petit chat, c'est un petit chien, genre un Yorkshire. C'est un chiot, quoi, il redevient bébé. Non, tu le vois pas comme ça, toi? Ouais, si, c'est un peu ça. Donc, je ne peux plus l'utiliser. Les ennemis rouges, quand ils sautent, s'ils nous retombent dessus quand ils sautent, ils nous touchent et on est mort. Ouais, on peut pas les contrer. Pas non plus. Donc, faut vraiment les esquiver. Pour passer du. Là, je suis passé en arrière-planche, j'ai maintenu en haut et j'ai sauté. Pour repasser en bas, je maintiens en bas et je saute. Et on peut passer de chaque plan soit en haut, soit en bas, ou en arrière, en avant, en faisant cette manip. Après, il va y avoir des bonhommes qui vont casser les vitres. Ah non, ouais, c'est. Les bonhommes rouges. Alors, il faut vraiment faire gaffe, faut les shooter vraiment à l'endroit où ils retombent. Sinon, c'est vraiment foutu. Et qu'est-ce que je voulais dire? T'as tout dit ou tu m'as laissé quelques infos à balancer? Je crois que j'ai dit pas mal de trucs. Hein. Moi, j'ai un peu tout dit. Ok, merci. Bon, bah tant pis, je ferme ma gueule. Hein. Bah non, mais tu peux parler de tes impressions. De mes impressions. On est là aussi pour donner nos impressions. Et bah, je me suis beaucoup énervée. C'est vrai, c'est clair, franchement. Enfin, bah, vas-y, raconte. Non, bah vas-y, je t'en prie. Bah non, mais tu te plaignais que je passais pas un cœur. Deuxième boss, les amis. Non, non, ouais, mais je m'énerve vachement parce que en plus, je connais la plupart des patterns des ennemis. Mais je sais pas, j'appuie alors que je devrais pas, et ainsi de suite, et putain, ça m'énerve. Je me rappelle plus de ce boss. Donc il est assez casse-couille, il se téléporte et là c'est chaud, oh. Voilà, faut juste esquiver comme ça en fait. Ah, chaque fois. Il est un peu chiant en fait ce boss, parce qu'il est assez long. Donc pareil, je vais essayer de pas utiliser ma tempête de feu. Ah putain, je l'ai pas touché. T'as il te reste deux flammes. Trois flammes. C'est rapide. Attends, la meuf, elle sait plus compter. Olé, allez, plus qu'un coup. Voilà. Oh, là, ça va être bon. Tac. Oh non! J'ai parlé trop vite. Voilà. Nan 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 nan. On est en train de se remettre tous les DBZ en ce moment et on s'est remis tous les Dragon Ball juste avant. On a refini les. Donc. On s'est remis encore une fois de plus tous les Dragon Ball. Ça faisait, je sais pas, peut-être 2 ans qu'on s'était pas mis les Dragon Ball. À peu près tous les 2 ans on va se les mettre. Ouais, voilà, tous les 2 ans à peu près on se met tous les Dragon Ball, Dragon Ball Z, mais pas les GT bien sûr. Ouais. Non, moi par contre, moi c'était la. Je m'étais déjà fait plusieurs fois tous les Dragon Ball Z, mais c'était la première fois que je me faisais les Dragon tous Ball, les Dragon Ball d'affilée. J'en avais déjà vu plein, mais quand ils passaient à la télé. J'avoue que les Dragon Ball, il y en avait certains que j'avais manqué quand même. Pas énorme, mais. Bah toi, tu m'as pas dit que tu te rappelais à partir de. Bah la surtout tour, à la fin, à partir du moment où ils montent à la tour du sage, du grand sage. Du grand maître, du maître des maîtres. Le maître des maîtres, ouais. Le chat.
pour info. Mais on n'est pas là pour parler de Dragon Ball. Oui, on s'égare un peu. On est là pour parler de niveau bonus. Shinobi. Enfin, Shinobi Shadow Dancer plus précisément, mais ça fait partie de la série Shinobi. C'est ça. Il a pas le même nom, mais enfin si sur Mega Drive le sous-titre c'est The Secret of Shinobi, mais sur arcade c'est simplement Shadow Dancer. Donc voilà. Et à partir de là, on peut dire que ça commence à se corser un poil. Ah, moi je me rappelle pas être allé jusque là. Non, t'as jamais été jusque là toi, mais il me semble que t'as même pas été jusqu'au deuxième boss en fait. Non, j'ai dû m'incliner entre entre le premier et le deuxième boss. Je sais qu'il y a une vie après un peu plus haut. Oh non, mince. Donc là, oui, ça commence à devenir un peu plus chiant. Ils sont pas difficiles à tuer, ces ennemis verts. Ça, t'as 9 vies, là. Il te reste 9 vies. Oh bah, tu peux avoir beaucoup, beaucoup de vies dans ce jeu-là. Et t'en as besoin de toutes ces vies. Bah, moi, pour tout vous dire, pour rien vous cacher, ce jeu-là, j'arrive... Enfin, il y a un moment, j'arrivais à le faire sans mourir jusqu'au boss final. Et sans perdre une seule vie c'est ce que j'ai dit, sans mourir. Merde. Mais bah alors, en tuant tous les ennemis du jeu. Donc c'était plutôt pas mal. Je faisais une perf qui était assez efficace. Mais j'ai perdu ça, je pense. De toute façon, si ça se voit, là, j'ai bien perdu. Parce que là, ça faisait vraiment un moment que j'y avais pas rejoué. J'ai juste joué même pas 5 minutes avant le test, là. Le truc qui était super drôle, c'est que je faisais tout ça. Donc c'était plutôt pas mal. Sauf que bah, je perdais toutes mes vies au boss de fin. J'ai jamais réussi à battre le boss de fin. Et t'arrivais à combien de vies à peu près au boss de fin? Je sais plus, je crois que j'avais peut-être 27 vies dans ces eaux-là. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais j'arrivais jamais à le battre. Il est si dur que ça? Oui. Ah, mais j'ai enclenché mon chien. Voilà. Mais j'ai quand même quelques bons souvenirs. Bah ouais, moi je trouve que tu te démerdes bien. Voilà. Allez. Mais je crois que je vais m'y remettre un peu plus. Ça me redonne envie, là, ça me remotive. Donc là c'est une vie, le petit item que vous pouvez voir. Je vais pas le récupérer parce que c'est pas nécessaire, là on est déjà à 18 minutes de jeu. Le temps, j'aurais pas perdu toutes les autres vies, je pense. Non, je pense pas. À moins que tu te craques littéralement sur la fin, là. Je sais pas, ça se pourrait. Donc le jeu, contrairement à l'arcade, je disais tout à l'heure, il est beaucoup moins fluide et tout ça. De toute façon, je vous aurais mis pendant le test, je placerai les quelques incrustes de pas mal de choses par rapport à ce qu'on a dit tout le long du test. Vous verrez, rien que dans les incrustes, il y a une belle différence. Ça a vraiment rien à voir. Et sur arcade, c'est juste une pure merveille, le jeu. Moi, sur arcade. J'adore les Shinobi. J'ai toujours adoré les Shinobi. J'ai connu Shinobi avec le premier que j'avais à l'époque sur Mega Drive. Il est pas horrible, ce stage. Ce stage est assez chiant, mais une fois que tu connais bien, ça va. Après, là, j'avoue qu'il y a quelques passages, je vais plus trop m'en souvenir. Alors là, l'hélicoptère, il va tirer. Voilà, faut juste sauter. Que les balles touchent que le sol, bien sûr. C'est ce que tu me disais tout à l'heure à l'hélicoptère, ouais, quand tu le verras, machin. Ouais, il va revenir après. J'avais une cartouche à l'époque, je sais pas, certains d'entre vous ont dû l'avoir aussi, une cartouche rouge avec 6 jeux dedans. Elle était plutôt cool, cette cartouche, il y avait... Tu parles de cartouche, on n'a pas présenté les jeux pour la semaine prochaine. Ah, exact. Oh, putain, je suis mort. Désolé de t'avoir coupé, je viens d'y penser. Non, mais c'est pas grave, tu fais bien de le dire, vas-y, bah, présente-les donc à ma place, parce que là, moi, je vais me concentrer. Alors, donc toi, c'est... Moi, un grand classique, hein. Donc voilà, Mario Bros. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Donc on est sur NES, la semaine prochaine. Et il y a Duck Hunt aussi, d'ailleurs, je viens de voir. Ouais, mais le zapper qu'on a déconne un peu, donc il y aura pas de Duck Hunt. Et ça, c'est Rad Gravity. Red Gravity, pas Rad. Red. Écrit Rad, hein. Ouais, mais c'est de l'anglais. Red Gravity. Enfin bref, jeu de plateforme plutôt sympathique. Ouais,
les deux sont très très intéressants. Bah, Mario, grand classique, hein. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Red Gravity est très très intéressant. Bah, de toute façon, tu mettras les. Oui, oui. Je te fais confiance là-dessus. Hein. Je mettrai les screenshots. Voilà. Donc, tu peux continuer sur ta lancée, je t'en prie. Et donc, je peux continuer sur ma lancée. Ah merde! Putain, d'hélico. J'aurais pas dû te parler. Donc, ouais, je sais pas pour vous, ceux d'entre vous, j'essaierai de trouver, de vous mettre l'incruste. J'avais cette fameuse cartouche là. Parce que je vais la trouver, je suis sûr. Et il y avait donc 6 jeux dedans. Et il y avait aussi du coup Shinobi. Et c'est comme ça que j'ai découvert. J'étais tout jeune, hein, je devais avoir 5-6 ans quoi. Donc ça remonte, hein, c'est super vieux. Parce que la Mega Drive, mon frère et moi on l'a gardé, mais enfin, bah, c'est pour dire des années. Elle est même accrochée juste au-dessus. La première que j'avais Mega Drive quand j'étais petit, elle est accrochée sur mon mur. Donc et j'ai encore la carte et tout. C'est juste la coque qui est accrochée. Mais j'ai encore la carte, tout ça, tout est fonctionnel. Hein. Donc c'est pour vous dire le nombre de temps qu'on l'a gardé. Non, le plus vous l'avez bourré des heures, des heures et des heures. Hein. Ah oui, non, mais la Mega Drive, celle-ci, c'est celle que mes grands-parents avaient quand j'étais jeune. Les consoles, on les a, mais surbourrées. Même, je veux dire, en. Oh, rappelle-toi, 2000 par exemple, on jouait encore à la Mega Drive aussi. Le pied quand on les a testés chez tes grands-parents et qu'elle fonctionnait encore. Oh ouais, 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 quand mes grands-parents nous ont filé. Bah, mes grands-parents et mon oncle et ma tante nous ont filé leur vieille console. Et bah, une Super NES et pour ma tante et la Mega Drive pour mes grands-parents. On a testé tout ça, tout fonctionnait avec les boîtes de l'époque et tout. On alors ça faisait des années contents, qu'elles n'avaient pas servi quoi, elles étaient rangées, c'était dans la cave ou... Ben non, dans un placard. Dans un placard tout simplement. Au propre, bien rangé et tout. tout en boîte, tout ça, donc c'est juste super de pouvoir... Non, la Mega Drive, elle était pas en boîte. Non, non, ouais, la Mega Drive, elle était pas en boîte, mais il y avait tous les jeux qui étaient en boîte et tout ça, quoi. Après, la Super NES, on l'avait quand même mis en boîte. Bon, le prochain coup, j'utilise mon pouvoir, parce que là, j'en ai marre. Ouais, la Super NES, on a même la mallette Super Nintendo. Ouais, la mallette de transport. Elle est... Enfin, je sais pas, c'est... J'en avais pas vu avant cette fois-ci, en tout cas. On s'écarte sur cette émission, on s'écarte vachement. Bon, bah je m'étais, hein. Non, non, mais je pense à ça. Non, mais je te dis pas de fermer ta gueule, pourquoi tu le prends mal? Je le prends pas mal. C'est juste que... On parle de tout et de rien, là. On parle pas vraiment du jeu, mais c'est pas bien gênant. Hein. Ouah, wow, j'ai vu une flamme. T'as vu? Quoi, t'as vu une flamme ou ça? Bah, je parle du jeu. Une flamme. J'ai pas vu. Mais si, oh, t'es nul. Dès que tu tues un ennemi, t'as une flamme verte. Ah, bah oui, mais pour moi, une flamme, c'est pas vert. C'est pas vert, c'est... Non, mais on n'a pas vu de flamme rouge, normale. Si, là, maintenant, tout de suite. Voilà. Ouais, moi, ça me fait plus penser à des météorites. Donc là... Voilà... Bon bah moi j'ai arrêté plus loin. Ouais oui c'est vrai que ça fait plus penser à des météorites. Et on arrive en haut de la statue de la liberté. Si ça c'est pas trop la classe. Je savais pas qu'il y avait un ascenseur moi qui faisait tout le long de la statue de la liberté. Hein. Si vous êtes au courant les amis dites-le nous. Hein. Moi j'étais pas au courant perso. Hein. Et on arrive à 24 minutes donc on va se quitter sur ce boss hein, je pense. Qui est pour moi, un des boss les plus casse-couilles. Non, non, mais je déconne, je vais tout perdre. Ah ouais, non, et puis j'ai pas trop envie de le faire, quoi. Ah merde, j'ai déjà oublié. Ok, bon, faut que je le touche avant. Moi, j'essaie de bien retenir comment faut faire. Ouais, bah là, c'est la craquance absolue, les amis. Merde. La craquance absolue, donc hop, on utilise les météorites. Oui, à chaque fois que c'est fini. Ouais, ouais. Voilà. Allez. Bientôt, bah, bientôt. J'enchaîne. Donc, ouais, tu veux qu'on se quitte sur. Bah, on va se quitter là-dessus, ouais, je te laisse faire la fin. Bah, bien sûr. Alors, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous voyez la performance de Ludo juste à côté. La performance, c'est pas top. Hein. Mais non, mais je rigole, mais c'est bien ce que tu fais. Regarde, là, tu gères.
Ouais, je le touche plus depuis tout à l'heure. Bah t'es pas mort. J'ai cru que j'allais mourir. Mais ça c'est le costard à voir, moi aussi tout à l'heure j'ai cru que j'étais mort parce que je m'étais fait toucher par la plaque d'égout qui monte là. C'était au premier stage. Oui. Oh yeah. Et en fait non, j'étais pas mort. Donc bref. Donc sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces, des commentaires, à partager, ça fait toujours super plaisir. Et bien sûr vous abonner si c'est pas fait. C'est ça, t'as tout dit. J'ai moi tout je dit. Te dis juste. Ciao ciao. À bientôt.